just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Bon matin, Val. Bon matin. Bon matin, Al. Good morning. Bon matin, MJ. Salut. Hello, people. Ce matin, c'est le début de la fin de notre tournée sur la route des explorateurs. On est rendu en Outaouais et on commence ça fort. I just feel so good. On part en rafting avec Rafting Momentum. Nous, on en a déjà fait, mais jamais ici, étrangement. Puis on vient de la région, fait que j'ai hâte de voir ça. Faut se trouver un nom d'équipe, fait que vous êtes prêts? Prêt pour la go! Prêt pour la go! Je sais pas, moi, je pense que je vais changer de raft, puis je vais aller avec les Killers à la place. Les Killers! Lui, c'est Philippe. Ah, oh, moi, c'est Philippe, salut. Philippe, t'es en charge de notre sécurité aujourd'hui. Ouais, j'ai bien du travail aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire 8 rapides au total. On va passer environ 4 heures sur l'eau. On va arrêter pour différents événements durant la journée. Donc, on a une belle journée. On va pas se faire Je suis excité! Ouais, Al, t'en peux plus, hein? Moi, je suis très relax, là. Ben chill. T'es un pro, toi. T'es un pro, moi. Faites ça toute ma vie. Can I get a pure injection of your ooh, la la? I just wanna drink you down, ooh, la la. I'm telling you I just can't live without you. I need you right now. Gimme, 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 gimme that love. Let me get a cherry on top. I've got this feeling in my chest, the thump, the thump, thumping. Won't you give me, 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 don't stop. Donc là, le jeu, c'est qu'on a Alex et MJ qui sont debout à chaque extrémité. Nous, on va faire tourner le bateau, puis c'est le dernier qui reste sur le bateau qui gagne. Let's go! OK, je me mets en position de snowboard, là. OK, par en arrière à gauche. Et la droite par en avant. Yeah. Oh, c'est grave! Ah, il était large! Ah oui, oui! Hey, c'est pas vrai que tu vas pas aller dans l'eau! Oh, c'est prête! Ah! Oh. Yeah! Le poisson! Toi, Val, t'aimes-tu ça de baigner? Ah oh, oui! Avec un wetsuit! J'aime ça me baigner avec un wetsuit! Et un vrai de non! Ok, je l'ai. Non, non, non! Oh. Les bras. Ça, c'est chiant. Journée de raft terminée. On finit ça en beauté avec un beau petit barbecue. On est rempli. C'est pas juste je vais faire du raft, c'est genre, c'est une journée complète, t'as des repas, tu joues dans l'eau, tu sais, tu fais les rapides, fait que tu crées vraiment une ambiance de gang. Puis je me dis, crime, c'est chez nous, je peux revenir. Tu sais, d'habitude, je finis une activité, puis je suis pas chez nous, je suis pas dans mon pays, fait que l'idée de revenir, revivre la même expérience, ben, elle est jamais là dans ma tête parce que j'habite pas là. Mais là, j'habite dans tu la peux région. Amener famille et amis. Je peux emmener famille et amis parce que c'est chez nous. C'est chez nous. Je trouve ça le fun. À matin, il faisait pas très beau, puis on dirait que ça nous tentait pas. On dirait de se lever puis de se crinquer. C'était sombre et gris pluvieux. Mais là, une fois rendu sur place, eux autres étaient crinqués, nous ont mis dedans, puis ça a été une super belle journée. C'était bien nice, mais là, on est dû pour relaxer. You can open up to me, show me what's inside. Mother Nature made us to intertwine. Lavender elixir, so full of pheromones. Give me one taste and you're gone. On est à un incontournable de la région de l'Outaouais. Ça fait depuis que je suis tout petit que j'habite la région. Je suis jamais venu ici. C'est le Nordic Spa Nature.
Et comme le nom le dit si bien, c'est un spa dans la nature. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui prend le temps de relaxer souvent. Je suis toujours on the go, comme ils disent. Fait que dans les spas, j'ai tout le temps de la misère à décrocher, on dirait. Mais ce qui est nice avec ce spa ici, c'est qu'il y a tellement de différentes installations, des bains chauds, des bains froids, des saunas, etc., que tu peux facilement passer une journée complète puis finalement décrocher. Il y en a qui décrochent vite, il y en a que ça leur prend plus de temps. Fait que pour les gens comme moi, ben c'est parfait. Je pense que Al de PPLR, il est pareil. Mais je pense que là, il est en train d'en profiter. Notre plan, c'est de vivre une expérience thermale. Puis on débute ça en force avec un petit bain chaud. On a un grand bain avec une super belle vue sur Gatineau. Puis la prochaine étape, ben, ça va être d'aller dans l'eau froide. Ouh. Ah! Ouh. C'est pas chaud. Donc ça, c'est un bain à 15 degrés Celsius. Ça choque. L'étape suivante après le bain froid, c'est le repos au chaud. Fait que là, on va se trouver un petit feu puis on va aller s'asseoir comme si on était en camping. Pour vrai, ça fait du bien. Ça me ravigote de notre rafting d'hier, oui. Puis de tout le pagayage. Mm-hmm. Ça fait du bien. Puis moi, je suis pas un grand relaxeux dans la vie. Fait que on dirait que la piscine frette puis m'a redonné de l'énergie, on dirait que c'est mieux pour moi que la relaxation. Je suis comme un... Je suis pas un bon relaxeur. T'es un sportif, t'es un gars d'action. Ouais. You're my little flower blooming in the night. Only for an hour the northern light. On est en train de s'exfolier la peau avec du sucre et de l'huile végétale avec un peu d'huile de lavande dedans. Ça sent super bon. Pourquoi tout le monde rit? Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je sais plus, là. Je pensais que je faisais tout comme faut. T'as plein de morceaux dans la face. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Là, il dit que j'étais pas le king de la relaxation, moi. Ça finit que ça fait rire tout le monde. Ah ouais, expolie-toi le chest. En gros, c'est pour enlever toutes les peaux mortes qu'on peut avoir sur la peau qui nous empêche de respirer comme il faut. Après, ce qui est vraiment agréable, c'est la petite peau douce. Personnellement, je passe ma journée à me flatter les bras après parce que je suis auto-flatte. Super doux. J'aime un peu trop ça. Ça sent tellement bon. Je suis doux comme un agneau. Ah ouais? Ouais, ouais. Peux-tu te chier? Ouais. Go to it. Oh mon Dieu, c'est lisse. Lisse, hein? Comme une petite... comme de la petite peau bébé, là. Ouais, c'est ça. Yeah. Oh. On pouvait pas s'en empêcher, ça sentait trop bon. Puis on commençait vraiment à avoir faim aussi. Fait qu'on s'est commandé une petite entrée parce que là, on s'en va dîner dans un resto hyper connu ici à Chelsea qui s'appelle... Biscotti et compagnie. Ouais, fait que là, on commence avec un petit taco végé. Puis les carnivores, ben, ils ont mangé de la viande. Bien sûr. Désolé. Fait qu'on mange ça, puis ensuite, on va aller se remplir le bedon chez Biscotti et compagnie. Traveling around and I don't know why. I can't contain whatever's burning inside. I gotta find a way to figure it out. I found the answers and there ain't no doubt. Oh yeah, baby, yeah! Sérieusement, on mange souvent de la pizza en voyage. Ouais, c'est comme notre classique, là. Mais celle-là, c'est sérieusement une des bonnes qu'on a mangées. La pâte était moelleuse. C'était moelleux. C'était délicieux. C'était un vrai délice. Là, nous autres, notre séjour dans la région de l'Outaouais se termine dans quelques heures. Puis pour terminer ça en force... Ben on s'en va passer la nuit, pas n'importe où. On la passe au château Montebello. Et fun fact on the go, c'est le château en bois rond le plus grand au monde. Ah ouais? Tu savais ça? Non, mais tu viens de m'apprendre de quoi? Puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui l'ont appris. Château Montebello,
Here we come. Got what I'm looking for. Bienvenidos au château Montebellos! Hey, pour vrai, c'est tellement beau là, comme endroit. Là, comme... C'est chaleureux. C'est un chalet, tu sais, chaleureux. C'est un gros chalet. Sérieux, on est arrivé hier soir. On n'a pas eu le temps de profiter des lieux autant qu'on aurait voulu parce qu'on est arrivé tard. On a très bien dormi. On a très bien dormi et ce matin, on s'est réveillé quand même assez tôt pour visiter le château Montebello et tout le site. Puis honnêtement, on trippe. Ben oui, parce que c'est plus qu'un hôtel, c'est genre un centre de villégiature. Ben c'est pas genre, c'est un centre de villégiature. Fait que c'est comme un resort. Fait qu'il y a plein d'activités à faire. Fait qu'il y a du golf. Vélo, il y a des randonnées, du tennis, du badminton, du squash. Tout ce que tu pourrais faire dans le sud, tu peux le faire ici, au Canada, au Québec, en Outaouais. Fait que ça fait pas loin à aller, puis tu te sens vraiment comme en si t'étais vacances. Ailleurs. Tu te sens vraiment en vacances. Tu te sens pas à une heure d'Ottawa, tu te sens pas à une heure et demie de Montréal. T'es vraiment... tu décroches. Et chose qui est intéressante, c'est que toutes ces activités-là, vous pouvez les faire même si vous avez pas une réservation à l'hôtel. Ça veut dire que vous pouvez venir passer une journée ici en couple, entre amis, en famille, profiter des activités du site et tout simplement triper. Bon, là, avec la situation actuelle, c'est pas possible de faire ça. Ça prend absolument une réservation dans une chambre. Mais ceci dit, en temps normal, c'est possible. Donc, si vous comptez venir dans la région de l'Outaouais, que ça vous tente de venir profiter du site du château Montebello, faites juste vous informer, vous assurer que vous pouvez venir. Puis sinon, faites juste vous réserver une chambre. Ça vaut absolument la peine. Puis êtes-vous prêts pour un petit fun fact on the go? Ça a été construit en 1930 avec du bois qui vient de la Colombie-Britannique, avec du cèdre rouge. C'est ça. On apprend des choses sur la chaîne d'Alex et MJ on the go. Ça a pris 3 mois à construire. Deuxième fun fact on the go! Plein de fun facts on the go. Dernier petit fun fact on the go, c'est autant nice l'été que l'hiver. C'est comme... C'est un chalet. C'est un gros chalet avec les foyers. Oh, ça doit être magnifique l'hiver. On va revenir assurément. Alright, c'est ce qui complète notre séjour sur la route des explorateurs. En 10 jours, on a visité les Laurentides, Abitibi-Témiscamingue et on a terminé avec l'Outaouais. Si jamais vous avez manqué des bouts, vous avez manqué des vidéos, vous pouvez aller les voir sur nos chaînes YouTube ou nos pages Facebook respectives. Tout est là. Notre itinéraire s'est échelonné sur une période de 10 jours, mais c'est un road trip, la route des explorateurs, que vous pouvez très bien faire si vous avez 2 semaines de vacances et vous voulez partir en road trip au Québec. Vous pouvez faire ça en VR ou même dans des hébergements insolites comme même le Château Montebello. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Même chose pour notre chaîne YouTube et pour Prêt pour la route, Facebook, YouTube, Instagram. Partagez en grand nombre parce que ça nous aide toujours quand vous le faites. Dans les commentaires, on veut savoir parmi toutes les activités qu'on a faites sur la route des explorateurs, laquelle est-ce qui vous parle le plus? Laquelle est-ce que vous aimeriez essayer? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Bye! Trois, deux, un... Attends! T'étais dessus!